nous a permis aujourd'hui d'être ici pour cet événement. Nous allons remercier deuxièmement Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a promis de s'occuper du social des Congolais avec son slogan « Le peuple d'abord ». Et aujourd'hui, nous sommes ici pour cette concrétisation, pour vivre cette concrétisation. Il a commencé par la gratuité de l'enseignement. C'était comme un rêve, les gens n'y croyaient pas. Mais aujourd'hui, c'est chose faite dans nos écoles. Aujourd'hui, c'est la gratuité de la maternité, mais aussi la gratuité des soins à nos bébés, de 0 à 30 jours ou un mois. Nous allons remercier troisièmement le Premier ministre, son gouvernement et les partenaires techniques et financiers, l'effort qu'il continue à fournir pour l'amélioration de la qualité des soins dans nos structures sanitaires, plus particulièrement dans notre structure sanitaire, Hôpital Général de Kadoutou. Nous allons remercier tous ces médecins qui sont là à côté de nous tous les jours pour sauver nos vies lorsqu'elles sont en danger suite à des maladies. Nous allons vous remercier, monsieur le médecin chef de zone, pour ces recherches de partenariats, parce que vous continuez à chercher des partenaires pour nos structures sanitaires dans la zone de santé de Kadoutou, et c'est dire à ceci ou cela dans le cadre de l'amélioration de notre santé. En effet, dans sa vision, le chef de l'État a promis au peuple de faire, de réaliser des choses. Il a promis même de rendre notre pays Allemagne de l'Afrique. Les gens, évidemment, interviennent dans les réseaux sociaux pour revenir sur ces mots en disant, voilà, il n'a rien fait pratiquement. Mais je pense que nous ne sommes plus là où nous étions en 2018. Il y a un changement palpable au pays. Bien sûr, il y a des difficultés. Les taux du dollar. Peut-être que le panier de la ménagère n'est pas encore approvisionné. Mais il y a un changement. Le changement, je vais donner un exemple. J'en ai parlé, la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, personne n'ignore ce que ça coûte. Pour certains, lorsque votre femme est enceinte et qu'elle doit accoucher, il y en a qui restent bloqués à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas trouvé les moyens de faire sortir ces femmes-là. Il y a même des politiciens qui en profitent. Au lieu de mener une politique correcte comme celle du chef de l'État aujourd'hui, de mettre en place la gratuité de cette maternité depuis tout ce temps, on a vu ces politiciens venir chaque fois pour libérer des femmes qui était retenue à l'hôpital seulement parce qu'elle a accouché et n'a pas pu payer sa facture. Je crois que, à ce propos, je vais vous demander d'applaudir encore une fois le chef de l'État. En matérialisant cette gratuité des soins chez les femmes enceintes et au niveau des nouveaux-nés, d'abord, on va diminuer très fortement la mortalité infantile et la mortalité, je ne sais pas comment vous l'appelez encore, des femmes maternelle. Donc plusieurs de nos vies seront épargnées. Plusieurs vies de nos mamans, de nos femmes seront épargnées. Plusieurs vies de nos bébés seront épargnées et nous ne pouvons que nous en réjouir. Ainsi, il y aura la consultation prénatale gratuite. Il y aura les accouchements, comme le docteur médecin chef de zone l'a dit, étocique et dystocique, y compris la césarienne, qui seront gratuits. Vraiment, merci, Sana Chouenzimeni. Chibote Bazazi, tu n'as choukourou, tu n'as seulement merci, Mungwa Bazitichi. Merci, quoi, président Kabis. Mungwa Mbari. Tu n'as pas d'éternité, tu n'as choukourou. Gratuité, quoi, tout ça, n'a rien à battre. En tout cas, je suis pour le chef de l'État. En tant que chef de l'État, vous allez vous dire. Naléo, à la pente à billets qui a sorti gratuitement, à Tali Pakitou Hôpital.
le 3 octobre. Na leo na na bénéficié d'une gratuité piti ya imu pango wa chef de l'état. Merci sana. Merci marraine. Bangu watu nashukuru sana. Tunawashukuru sana kwa hii kazi ambayo mko nafanya. Atuka Mungu awatie nguvu na tuko nyuma yenu kabisa, Mungu awasaidie. Kwa hii gratuité mnatupatia ba mama bonde mkuu hapa. Ah, shukrani yangu ya leo kabisa, tuko na furaha ba mama bakongomani, ba mama kadutu. Tunasema asante kabisa kuona bakubwa banatukumbuka kwa siku ya leo. Kuona tunazala banatupatia kabisa sortie ya bure, hatulipi hata 100 francs. Tunapata dawa kwa bure, tunapata sortie ya bure, atuka Mungu abasaidie na babariki sana, tunafurahi sana. Na tuko tu nyuma yabo kama vile watoto yabo. Rais wetu Mungu amubariki tu, naendelee kumutia nguvu. Na tuko tu nyuma yake, tuendelea kumchagua tu mpaka mwisho. Hatuwezi mwachililia hata. Sur vision du chef de l'État qui stipule le peuple d'abord. Nous avions reçu l'instruction de notre hiérarchie par rapport à la gratuité de la maternité qui consiste à la gratuité des accouchements étosiques. Étosiques, ça veut dire un accouchement qui n'a pas d'intervention extérieure. Les accouchements dystosiques, donc les accouchements pour lesquels on peut avoir intervenu tant soit peu, mais aussi les césariennes. En dehors des accouchements, il y a la prise en charge des nouveau-nés de 0 à 1 mois. Et c'est à ça que concerne la gratuité. Et plusieurs structures de la zone de santé de Kadutu sont concernées, notamment l'hôpital général de Kadutu et les centres hospitaliers Nyamuko, CBK et certains autres centres de santé. Les programmes de planification familiale, depuis longtemps, ça a toujours été gratuit. Mais du fait qu'on parle de la santé mère-enfant, on ne peut pas ne pas parler de la planification familiale. Donc la planification familiale, elle est aussi gratuite, elle a toujours été gratuite. Les consultations prénatales, les consultations post-natales, les consultations préscolaires, tout ça, ça sera gratuit sur instruction du chef de l'État au travers des partenaires qui soutiennent le gouvernement congolais. Avec les 5 services traditionnels des hôpitaux, et il y a un service spécialisé d'otorhinolaryngologie. Mais l'hôpital connaît de sérieux problèmes par rapport au sous-équipement. L'hôpital est sous-équipé. Nous faisons le mieux de nous-mêmes avec les moyens de bord, mais nous pensons que tous les partenaires qui interviennent dans le domaine de santé, à tout moment qu'ils ont à faire en termes de matériel, en termes de formation ou d'équipement de l'hôpital, ils peuvent toujours aussi penser à l'hôpital. Et nous sommes sûrs que si on nous fait confiance et on nous équipe, nous pouvons être très utiles encore beaucoup plus à la communauté de notre commune.